Salut, moi c'est Louise Lavergne, je suis en L1 à Effray-Bordeaux dans le cycle ingénieur. J'ai toujours été intéressée par les matières scientifiques, donc les maths, la physique. Moi en première j'avais pris sciences d'ingénieur aussi en matière parce que je savais que je voulais être dans tout ce qui est ingénieur, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Donc j'ai toujours été intéressée par les nouvelles technologies, donc je me suis dit pourquoi pas aller en ingénieur en informatique. Et donc les frais, voilà, j'ai trouvé. Moi j'habite plus proche de Bordeaux que de Paris et puis je viens un peu de la campagne donc mes parents ils étaient plus chauds, commence par Bordeaux, après on verra Paris. Donc j'ai pris Bordeaux et je regrette pas du tout mon choix. Bordeaux déjà c'est donc beaucoup plus petit que Paris, bon c'est une petite ville, c'est plus à taille humaine, mais il y a beaucoup de choses à faire là-bas, beaucoup d'activités et l'école on est moins qu'à Paris, donc du coup c'est un peu plus des cours plus personnalisés qu'à Paris et c'est ça qui est vraiment bien. Ça fait plus ambiance lycée du coup parce qu'on est beaucoup moins et j'ai vraiment apprécié ce côté-là. Alors moi je suis pas trop dans le dev tout ça, mais j'ai vu qu'il y avait l'informatique dans la finance tout ça, donc peut-être pourquoi pas, mais j'ai pas vraiment encore de spécialisation. J'aime bien l'électronique là en ce moment, donc information numérique c'est une matière qu'on a cette année. Ça m'intéresse vraiment parce qu'il y a vraiment de la logique mathématique et j'aime bien ça. Après l'informatique j'aime bien ça aussi, mais vu qu'avant j'en avais pas trop fait, je travaille plus dans ce côté-là. Mais ça m'intéresse quand même, enfin, vraiment c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien les GAFAM, un peu comme précédemment. J'aime bien Google, tout ça, ça m'intéresse. Enfin, c'est vraiment des grosses entreprises qui parlent un peu à tout le monde et j'aime bien. Voilà. Moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur si on n'a pas fait d'informatique avant, c'était un peu mon cas, j'étais un peu réticente parce que je me suis dit j'en ai jamais fait avant, je vais être perdue. Il faut se dire qu'on est là pour apprendre, que même si on part de rien, on peut arriver vraiment très loin parce que là j'ai vachement progressé en 2 mois, ça fait 2-3 mois qu'on est à l'école, j'ai vachement progressé donc il ne faut surtout pas avoir peur. Si t'aimes bien traîner sur ton ordinateur, sur YouTube et tout, que t'aimerais bien aller plus loin de ça, n'hésite pas surtout, enfin, c'est pas parce que tu vois des garçons autour de toi qu'il faut que tu te décourages quoi. Vas-y. Non, pas forcément, mais je me suis dit, je veux autant que les garçons, enfin, pourquoi pas moi. Après, c'est vrai que quand j'étais, j'ai fait des matières scientifiques, et puis surtout en sciences d'ingénieur, par exemple, il y avait très peu de filles, enfin, j'étais la seule au milieu de tout le monde, mais ça m'a pas forcément découragée, je me suis dit, pourquoi pas. Genre, j'ai toujours été en minorité. En minorité, voilà, mais ça m'a vraiment pas fait peur, parce que je me suis dit, on y va, go, on y va pas.